Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420. Aujourd'hui, petite vidéo sur le revolver d'Otis Miller, un revolver rare. Comment localiser et obtenir ce revolver? Nous allons voir ceci en vidéo. Alors, pour l'étape numéro 1 que je viens de localiser en vidéo, il faudra tout simplement tuer le résident de la maison. Si vous n'avez jamais tué le résident de la maison, n'hésitez surtout pas à collecter, donc à récupérer le shotgun qu'il a sur lui. C'est un shotgun rare. Ensuite, il faudra tout simplement fouiller la maison et dans un des tiroirs de la maison, il y a la carte en question. Alors, pour tous les joueurs ayant déjà récupéré le shotgun et fouillé la maison, donc récupéré la carte reconstituée numéro 1, je les invite fortement à avancer la vidéo jusqu'à 2 minutes et 15 secondes. Merci. Alors, pour la deuxième partie de la carte au trésor, il faudra se déplacer complètement à gauche de la map. Et c'est un peu la même formule, vu qu'il faudra tuer des ennemis et puis rentrer dans la maison, fouiller la maison pour collecter la carte au trésor. Alors nous voici en possession de la carte reconstituée complète, mais cette fois-ci, pour collecter le trésor, il faudra terminer le chapitre 6 entièrement, car il se trouve dans la zone d'Austin, et cette zone n'est réservée qu'à partir du chapitre 6. Donc il faudra malheureusement terminer ce chapitre pour pouvoir collecter le trésor qui est à suivre. Alors pour tous les joueurs qui adorent collecter les petites énigmes, n'oubliez pas d'examiner la petite cabane avant de partir. Alors nous voici à la localisation du trésor en question, mais ce trésor n'est accessible qu'à partir du chapitre 6. Pourquoi? Car avant, cette zone est en rouge et vous êtes en mode recherché mort ou vif. Et donc, si vous êtes en mode recherché mort ou vif, il va y avoir beaucoup de problèmes pour arriver à destination. Donc je vous conseille vraiment de finir votre chapitre 6 avant de venir collecter votre trésor. Thank you.
Le trésor se trouve dans cette petite faille. Il faudra rentrer à l'intérieur, avancer légèrement, et sur votre droite, vous allez tomber sur une petite caisse. Vous ouvrez la caisse et bingo, il est à vous. Alors perso, je ne suis pas un expert en armes ni en revolvers, mais il me semble, vu les statistiques et surtout le skin magnifique de cette arme, que c'est un des revolvers les plus rares, si pas le meilleur du jeu. Je voudrais bien avoir votre avis en commentaire, donc laissez des commentaires sur le skin et surtout la qualité de ce revolver, ce que vous en pensez réellement de ce revolver d'Otis Miller. Pour les cowboys qui ont eu l'œil, on peut remarquer qu'en plus du revolver d'Otis Miller, il y a des photos érotiques, assez sympathiques à collecter.